Salut, j'attends. Salut. T'en as-tu pour longtemps? Mais là, je viens juste de commencer, mais si t'as envie de prendre un bain, je peux te faire une petite place. Non, j'ai envie de mettre d'autres choses. Faudrait que tu sortes. Pourquoi? Ben, Isabelle, regarde, là, je vais me fermer les yeux, OK? Louis, tu sais que je suis pas capable quand il y a quelqu'un. Et fais comme si j'étais pas là. Ça presse. Regarde, Isabelle, je me ferme les yeux, je me bouche les oreilles puis je chante en même temps. Oh, wow, wow, ma petite Julie. T'es pas drôle, Louis, t'es pas drôle. Je vais faire une néphrite, la rétention urinaire puis de la cellulite, ça va tout être de ta faute. Isabelle, franchement. Tu veux vraiment rester? Mets ta tête en dessous de l'eau. Son bandage, mais il a pas l'air de vouloir jouer avec sa plaie. Est-ce que tu veux qu'on lui en fasse un autre? Ah, il sort aujourd'hui, lui? Oui. On va les surveiller, mais je pense qu'on peut les laisser comme ça. Il me reste quoi comme chirurgie? Il te reste la castration du schnauzer, l'extraction de la molaire du vieux bouvier et la biopsie du persan. Mm-hmm. Tu commences par quoi? Le schnauzer. Une petite castration, ça va me faire du bien. Docteur Constantin, première ligne, s'il vous plaît. Encore ton ex qui te fait des problèmes? Non, non. Enfin, pas plus que d'habitude. De toute façon, je suis prise avec. J'ai accepté de le parrainer. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as fait là, Raphaëlla? Écoute, le plus vite il devient citoyen canadien, le plus vite il me fout la paix. C'était la meilleure solution. Mais oui, mais là, c'est toi qui es responsable de lui. Écoute, hein, c'est quand même pas un monstre. Il va se trouver du travail, il a déjà un endroit où habiter. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner une chance. Hein, je lui devais bien ça. Tu lui devais rien. Écoute, on a quand même été mariés 4 ans et on a eu un enfant ensemble. Ça crée des liens. J'espère que tu le regretteras pas. Je l'espère tout autant que toi. Pascalou, est-ce que tu peux voir Mme Fortin pendant ton heure de souper? La soirée est complète et elle travaille aujourd'hui. J'aime pas ça bloquer le souper déjà le matin, là. S'il arrive une urgence dans l'après-midi, on est mal pris. Donc, quand ça arrange pour finir plus tôt puis qu'elle vienne nous voir en fin d'après-midi, là, c'est pas à moi de m'ajuster à ses horaires à elle. Oh, on est de mauvaise humeur ce matin? Oui, je le suis. Joanne. Je suis pas certain, là. Notre système, là, ce qu'on fait pour les enfants, je suis pas sûr. Tu veux dire chacun notre journée? Oh, c'était la condition. Moi, je trouvais ça trop tôt pour recommencer à travailler. Alors, je te dépanne pendant les vacances de Pamela, mais toi, tu me donnes un coup de main avec les petits. Oui, mais à chaque fois que je vais reconduire les enfants chez ta mère, il y a toujours quelque chose de pas correct, on dirait. Non, mais tu vois, ce matin, j'ai oublié les couches. Ouais. Non, mais tu pourrais m'aider? Non, tu pourrais vérifier dans mon sac si j'ai tout avant que je parte? Ça me gâche ma journée de me faire engueuler par ta mère. Oh, je suis certaine que t'as pas engueulé. Non, 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 on m'a juste fait sentir que j'étais d'une nullité totale. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Toi, tu commences à 9 h. Moi, je vais faire le secrétariat de 8 à 9. Et toi, tu t'occupes des enfants le matin. Pascalou, non. Si t'avais pas mis ma mère à la porte, elle viendrait encore garder à la maison et on n'aurait même pas réveillé les enfants avant d'aller travailler. Alors, assume tes erreurs. Je l'ai pas mis dehors, puis je me suis excusé. Je l'ai supplié à genoux, je me suis abaissé devant elle. J'ai pris tous les torts alors qu'elle en a pas mal plus que moi. Une vraie tête de cochon. Elle prend un plaisir sadique à me contredire puis à me nuire. Hey, je te rappelle que tu parles de ma mère, là. Avant qu'on ait des enfants, t'as trouvé envahissante puis haïssable. C'est une condition essentielle à ton bonheur. Au tien aussi. C'est toi qui as des problèmes avec tes matins de garde, pas moi. Joanne, s'il te plaît, là, ça marche pas, notre système. Je peux pas continuer comme ça. J'arrive ici super stressé. Puis c'est les clients puis les employés qui en souffrent. Je suis intolérant, désagréable, impatient. Gros nouveau. Je suis pas comme ça d'habitude. Et tu le sais. Je suis un perfectionniste et je déteste les incompétents. C'est pour ça que je peux sembler parfois un peu désagréable et intolérant. Mm-hmm. Mais là, les problèmes familiaux s'ajoutent à mon stress quotidien. C'est pour ça que je suis plus impatient que d'habitude. Toi, là, tu pourrais pas parler à ta mère? Non. T'es bien comme elle. Quoi? Non, non, rien. Je me parle à moi-même. On va faire comme si j'avais rien entendu. Qu'est-ce que tu fais avec Mme Fortin, là? Ben, je te l'ai dit, je vois pour la voir à l'heure du souper pour y faire plaisir. Arrange-toi avec elle. Pascal, regarde-moi bien. C'est pas Pamela, mon nom. Tu l'appelles et tu t'arranges avec elle. C'est encore engagé.
toujours occupé chez Marie ce matin, hier soir. Il doit se passer quelque chose. Ouais. Son téléphone est comme elle, en dérangement. Ça m'inquiète. Je vais aller chez elle tantôt. Mais moi, en tout cas, je suis en pleine forme, hein. Un peu plongée sous-marine en se levant le matin, c'est génial. J'ai assez hâte qu'on habite dans un appartement civilisé avec deux salles de bain. Moi aussi, imagine-toi donc. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans une toilette publique? Je tire la chaîne 12 fois pour pas qu'on m'entende. Écologique? Non, mais discret. T'es bizarre, Isabelle. Ça fait 4 ans qu'on reste ensemble. Il me semble qu'on est assez intime pour qu'on puisse faire... C'est pas une question d'intimité, oui. C'est une question de pudeur. De pudeur? De pudeur. En tout cas, je te les ai apportés. Ah, merci. Les filles ont marqué leur modèle d'uniforme préféré. Parfait. Je vais commencer ça aujourd'hui. Je vais travailler ici. À la boutique, je suis toujours dérangée. J'ai de la misère à me concentrer. Comme tu veux. Ben, nous autres, c'est aujourd'hui qu'on annonce au docteur Raymond qu'on fait son offre d'association. Il va être déçu. D'après ce que tu me dis, tu aurais travaillé pas mal moins fort pour gagner un peu plus. Oui, mais j'aurais jamais été le patron. Puis j'aime pas le système. C'est toi qui le sais, chaton. Es-tu déçu? Ben non. Au contraire. Je serais déçue si t'acceptais quelque chose que t'aimes pas juste pour faire plus d'argent. Isabelle, quand tu dis des affaires de même, là, je pourrais t'accepter tous tes petits problèmes de pudeur. Oui, j'aimerais ça que tu fasses plus d'argent en travaillant moins. Il me semble que c'est logique. Joanne, j'en reviendrai pas sur cette décision-là. Puis de toute façon, c'est pas uniquement ma décision, hein. On est tous d'accord. Oh, Pascal! Dufour a dit qu'il se prononcerait pas parce que de toute façon, il travaille plus. Et t'aurais aucune difficulté à faire changer Louis d'avis. Je veux pas faire changer Martineau d'avis. Je veux juste rester maître dans ma clinique. Mais Étienne t'a dit que tu garderais le même pouvoir décisionnel. Oh, ouais. Tu ferais partie de leur conseil d'administration, tu déciderais pour toute leur clinique. Non, on en a discuté 100 fois, là, c'est non. La vie familiale d'Étienne va beaucoup mieux depuis qu'il fait partie de ce système-là. Ma vie familiale va très, très bien. Tu trouves? Oui! Puis là, j'ai pas envie de discuter de ça, là, faut que je retourne travailler. Bonjour. Ah, bonjour. On a quel genre de journée? Occupé. Et vous rencontrez le docteur Raymond à 2 heures. Mm-hmm. J'espère qu'il sera pas trop déçu, hein. Quand on est allé manger avec lui, il avait l'air de tenir beaucoup à ce que vous vous associez avec eux. Ils peuvent très bien se passer de nous autres. Oui, mais est-ce que vous, vous pouvez vous passer d'eux? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? J'ai l'impression que votre type d'entreprise va devenir de plus en plus rare. C'est difficile de se maintenir au même niveau d'excellence que ces regroupements-là. Vous pouvez pas compétitionner. La qualité du service n'est pas uniquement une technologie de pointe et des salles d'attente tape à l'œil. Ici, les clients sont pas anonymes. D'une fois à l'autre, on les reconnaît, on connaît leur animal. Ils voient toujours les mêmes visages puis ils se sentent en confiance. Mais je suis sûre que vous pourriez arriver à un compromis acceptable. Et vous pourriez même répandre votre philosophie d'entreprise à tout le groupe. Vous avez l'air totalement vendu aux idées du docteur Raymond. Je sais reconnaître une bonne idée quand j'en vois une, et en tant que comptable, je me dois de vous conseiller le mieux possible. Je vous remercie beaucoup, mais change pas d'avis. Isabelle? Ben oui, Isabelle. Coudonc, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 3 jours que j'essaie de te rejoindre, tu es toujours occupée. T'as-tu trouvé un emploi dans les lignes érotiques? Non, 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 mieux que ça, viens voir. Tada! C'est quoi? Internet! Antoine et moi, on s'est abonnés. C'est écœurant. C'est juste ça. J'étais vraiment inquiète, Marie. Je me demandais ce qui se passait. Et non, il se passe que je m'amuse comme une petite folle. Hey, c'est simple. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux trouver là-dedans. As-tu une question sur quelque chose, là? N'importe quoi. Oh! Veux-tu voir la page d'Indy Garcia? Il y a ça? Il y a ça. Il y a de tout, je te le dis. J'ai l'impression d'avoir le monde à portée de main. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Et un Antonio Banderas pour madame. Oh, ben, grand Dieu! What the hell is going on? Chut, viens! Non, c'est correct, là. Rendors-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher mon vieux projecteur. Je savais pas que tu serais là. Je travaille tard de ce temps-là. Là. Le matin, je dors. Ouais, tu dois travailler fort. T'as plus le temps de faire le ménage. Je le fais quand ça donne. Je vais aller chercher ton vieux projecteur. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu fais pour vivre là-dedans, toi? Hey, bon, je pense qu'on a besoin d'une petite mise au point, là.
Tu débarques plus ici à l'improviste, puis t'auras pas de mauvaise surprise. Appelle quand t'as besoin de quelque chose. Ça va me faire plaisir de décroter avant que tu viennes. Ah ben, je suis mieux d'appeler d'avance, hein? Puis ça, c'est quoi? Ça, ça te regarde pas. C'est toujours chez nous ici, je te ferai remarquer. Bon, je savais que tu me sortirais ça à un moment donné, là. Pas parce que tu payes le loyer que tu vas me dire avec qui coucher. C'est pas parce que je paye le loyer, c'est parce que je suis ton père. Hey, Julien, fais pas chier, OK? Je te le présenterai, là, je ferai un beau petit souper de famille, puis je te le présenterai dans les normes, s'il t'offre deux semaines. Sinon, tu l'oublies, OK? Ça sera pas dur. Il a l'air d'avoir autant de substance qu'un jello. Un jello à la lime. Bon, OK. Un matin, je suis pas en forme, me faire donner de la merde de ton projecteur. Bye! Non, non, attends, attends, attends. Quelle heure tu commences, là? Pourquoi? Je viendrai souper ici avec toi. J'apporte le souper, puis tu fournis le dessert. Mais c'est pour me faire un sermon. Ben non, ben non, ben non. J'ai envie de souper avec toi, bon. Puis, tu fournis-tu le dessert, oui ou non? Oui, j'ai déjà du jello à la lime. Bon, ben, autour de 5 heures, ça va? Ouais. Ça va me donner le temps de faire le ménage. Voilà, merci. Au revoir, madame. J'ai terminé les chirurgies, ce sont les dossiers. Ah, oui, il y a quelqu'un pour vous. Je serais allée vous prévenir, mais il ne voulait pas que je vous dérange. Mm-hmm. Merci. Ben, comme il y a. Marjolaine, je te présente Roberto. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein. Je vais aller voir où en est rendu mon lavage. ¿Qué cosa quieres? Te dije que no quiero que vengas aquí, me vas a causar problemas. Mira, te estoy llamando por teléfono todos los días. ¿Por qué no me contestas? Tengo mucho trabajo. Mira, yo también quiero trabajar. Puedo ser asistente veterinario. Olvídate, el doctor Constantin no te va a dar trabajo y yo no quiero trabajar contigo. No, yo no quiero trabajar aquí, pero me puedes recomendar en otra clínica. Voy a pensarlo, pero no te prometo nada. Y no quiero que vuelvas aquí, ¿entendiste? Mira, Rafaela, yo no te quiero molestar, pero necesito trabajar y tú conoces mucha gente aquí. Pásame el desinfectante. Parle-moi en francés. ¿Depuis cuando tú hablas francés? Je prends des cours depuis 2 ans. Ça fait longtemps que je veux venir ici. Et Nina? Nina, c'est terminé. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Il est venu me voir. Il s'en va. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jouer au docteur avec le chien de mes clients? Il m'a aidé à l'éteindre, c'est tout. Pas besoin d'en faire un drame. Je le ferai bien un drame si je veux. C'est pas un abri pour réfugiés politiques ici. Je ne suis pas un réfugié politique. Ah, vous parlez français, mais ça tombe bien. Alors vous allez comprendre quand je vais vous dire de prendre la porte immédiatement. Je ne laisserai pas pratiquer la médecine vétérinaire illégalement sous mon nez. Ah, n'a pas de problème. C'est imbécile, Si. C'est ce qu'il vient de dire là, David? Ça vous regarde pas. Et je vous permets pas de parler de la sorte aux gens que je reçois. Vous le feriez pas pour personne d'autre dans cette clinique. Je le ferais pour n'importe qui poserait des actes vétérinaires sans en avoir le droit. Roberto est vétérinaire. Mais pas ici. Vous savez, même si son diplôme n'est pas reconnu ici, vous pourriez quand même le traiter avec politesse. C'est la moindre des choses. La moindre des choses serait que vous alliez régler vos problèmes personnels ailleurs qu'ici. Pascalou, maman vient d'appeler. Faut que t'ailles lui porter du lait maternisé ce midi. T'as oublié de lui en laisser. Puis tant qu'à y être, tu apporteras des couches. Oui. J'en reviens pas. Les défilés de tous les couturiers français sont là. C'est génial. Oui. On peut souvent les italiens? Ah, probablement. Faudrait retourner au menu principal. Ah, en parlant de menu, j'ai faim, moi. Quelle heure il est? 11h45. T'es pas sérieux? J'ai pas passé mon avant-midi là-dessus. Ouais. Ah, c'est une vraie drogue, ton affaire. Oui, puis on n'a pas vu le plus beau. Ah, on a vu Antonio Banderas. Ouais, mais on n'a pas vu les chats. Les quoi? Les chats. Les groupes de discussion. Et j'en ai trouvé plusieurs sur la psychologie, dont un super intéressant sur la psychologie des relations de travail. C'est en anglais, là, mais c'est pas grave. Il y a un Australien, ma fille, qui est là-dessus. Il a l'air super brillant. Mmh, un Australien? Oui, puis un Suédois aussi. Hey, la planète virtuelle est à moi. Puis ce qui est encore plus génial, là, c'est que 75 % de ses habitants sont morts. Mmh.
Lunchtime. Merci, les vins. J'en ai assez. J'en peux plus de me faire traiter comme si j'étais moins que rien. Il n'a aucun respect pour moi et j'en ai pas pour lui. Je croyais que ce serait mieux depuis que je suis vétérinaire, mais c'est pire. Oui, mais c'est parce qu'il est stressé, là, avec l'offre d'achat de la clinique. Quand ça va être réglé, tu vas voir, ça va aller mieux. Quand ça va être fini, il va y avoir autre chose. Il va toujours y avoir quelque chose. Je crois que je suis mieux de commencer à me chercher un autre emploi. Raph, Constantin, là, c'est une personne dans la clinique. On s'entend bien, nous deux, on a du plaisir, non? C'est plus suffisant, Marjo. Si tu voyais la différence entre ici et chez le docteur Riendo, c'en est ridicule. Je n'ai pas à tolérer ça. Si tu avais vu comment il a parlé à Roberto, c'était très insultant. Ça a l'air bon, ce que vous mangez. C'est toujours des sandwichs, je dois manquer d'imagination. La veux-tu? Je n'ai pas faim. Tu files pas? Oui, il faut que tu lui parles. Elle veut s'en aller. Pas de problème, si t'es malade, on va s'arranger. Tu comprends pas. Elle veut démissionner. Hein? Pourquoi? Devine. Constantin? Mais Raphaëlla, tu sais comment aller, c'est pas une raison pour démissionner. Non, mais si vraiment elle te trouvait pas compétente, là, tu travaillerais pas ici. Le seul fait qu'il te garde, ça prouve qu'il te trouve bonne. C'est pas assez. Non, c'est plus assez. Dès que je me trouve autre chose, je pars, c'est décidé. Je n'ai pas à endurer ça. C'est toi qui le sais. Et moi, je trouve ça bien dommage. On va s'ennuyer si tu pars. On va continuer à se voir et dans des circonstances plus plaisantes, ça va être mieux. Moi non plus, j'ai plus faim. Tiens, Louis. Moi non plus, j'ai plus faim. Ben oui, c'est... Non, c'est normal, c'est toujours plus long chez un chat adulte. Non, inquiétez-vous pas. Oui, c'est rien, on est là pour ça. Au revoir. Pascalou, si t'as pas le temps, là, je peux y aller chez ma mère porter le lait et les couches. Alors, j'ai dit que j'irais, je vais y aller. Pascalou, si c'est trop difficile pour toi, le nouveau système, là, on va s'arranger. Hein? C'est vrai que le stress ici, le stress à la maison, ça t'en fait beaucoup, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Non, non, arrête, je te connais trop. Qu'est-ce que tu veux? Rien, tu me prêtes toujours des intentions. Entre deux personnes qui s'aiment, il y a toujours moyen de s'arranger. Moi, je suis prête à faire beaucoup de compromis pour que tu sois heureux et que notre couple aille bien. C'est très important, les compromis. C'est à ça que tu mesures l'attachement que l'autre a pour toi. Une minute. Je pense que je sais où tu veux en venir. Je veux pas en venir nulle part. C'est juste que je dis que quelqu'un qui refuse systématiquement de prendre en considération l'opinion de l'autre... Joanne, arrête. Je changerai pas d'opinion au sujet de l'offre du docteur Raymond. Et que t'es intransigeant. Ça se fait des fois changer d'avis, tu sais. Ouais. T'as raison. Puisque tu me l'offres si gentiment, là... Pardon, chez ta mère, porter le lait et les couches, là, ça va me donner une chance, moi, de retourner mes appels. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre votre décision. On vous offre de changer votre bicyclette pour une auto, puis vous dites non? Ouais, Étienne, c'est pas que ton offre, votre offre, ne nous intéresse pas, là. On y a pensé longuement et sérieusement, et même en la retournant de tous les côtés, on peut pas se faire à l'idée de quitter notre style de pratique. Je crois que vous faites une erreur. Peut-être, mais on l'assume et on va être capable de vivre avec ça. L'avenir, c'est les regroupements. Vous allez vous faire écraser. Nous, on mise sur la compétence, les services personnalisés et surtout sur la fidélité de notre clientèle. Puis pour reprendre ton exemple, là, les gens aiment ça, faire de la bicyclette avec nous autres. On n'est pas pour les forcer à prendre l'auto. Ils vont la prendre d'eux-mêmes, puis vous allez le regretter. On n'arrête pas le progrès. Je suis vraiment désolé pour vous. À la prochaine. À la prochaine. Merci quand même d'avoir pris le temps d'examiner notre offre. Oh, j'aimerais ça pouvoir vous dire que si vous changez d'avis, vous pouvez toujours me téléphoner, mais on va devoir appliquer le plan B. Puis malheureusement pour vous, vous n'en faites pas partie. Le plan B? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Ben, ça ne regarde pas. De toute façon, il peut bien appliquer le plan qu'il veut, hein?
Nous autres, on change rien, on continue comme avant. Bien, justement, si vous voulez qu'on continue comme avant, là, il va falloir que vous fassiez un petit effort. Raphaëlla veut démissionner. Es-tu sérieux? Oui. C'est une bonne affaire. Non, c'est une très mauvaise affaire, ça, puis c'est juste à cause de vous. Vous lui donnez aucune chance. Ben voyons, on a eu toutes les chances possibles. J'ai jamais donné autant de chance à qui que ce soit d'autre. Ça veut partir qu'à part, là. Ben, en tant qu'associé, j'exige que vous lui parliez puis que vous lui demandiez de rester. C'est une très bonne vétérinaire, là, puis moi, je veux qu'elle reste. Allez la voir. Ben, j'irai la voir si ça me tente. Donc, vous avez mangé à midi, lui. Bon. OK, tiens. Ah, merci. OK, on a dit 5 et 7. Cheveux longs, blonds, cendrés. Ah ouais, puis là, faut que je me trouve un nom. Sandrine. C'est beau, Sandrine, hein, ça fait raffiner. Hey, tu triches! Ben oui, mais tout le monde fait ça. Ah oui? Ça veut dire que le Carl, là, avec qui on chatte depuis à peu près 20 minutes, c'est peut-être un petit radet, là, puis boutonneux? Ben oui, mais ça n'a aucune importance, ça. On n'a pas de chance de le rencontrer. Il reste à Phoenix, Arizona. Ben oui. Surtout que tu as dit que tu habitais à Bruxelles. Mais c'est ça qui est drôle. OK, OK. C'est à ton tour, là. OK? Invente-toi, tu peux être comme tu veux. OK. Mm-hmm. Alors, 5 et 7. Non, 5 et 8. J'ai toujours rêvé d'être grande. Oh, 5 et 8. Mes cheveux, ça va. Je les aime, mes cheveux longs. OK. Tant qu'à tricher, dis que je suis rousse. Oh, OK. Cheveux longs, roux. Oh, avec ça, ça te prendrait des yeux verts. Oui. Verts et morose. Oui, avec un petit teint pâle, avec des taches de rousseur. Puis mince. Sans être maigre, là. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mannequin. Oh, mais attends, attends, là, t'es pas assez grande. On va mettre 5 et 10. Oh. OK. Ton nom? Megan. On va dire que je suis irlandaise. Oh, Megan. Wow. Et c'est parti. On va aller voir si Sandrine a des réponses. Hey, okay? C'est vrai. Quand même, ça pogne les blondes. Ouais. Je voudrais te... Oh, franchement, il est bien cochon, lui. Hey, c'est pas l'imagination qui manque. Hey, ça, ça mérite une réponse. Mais voyons donc, es-tu folle? Ben quoi, il va pas sortir de l'ordinateur puis me sauter dessus? Mais c'est ça, le jeu. Merci, votre prochain client. C'est 68 $ s'il vous plaît, madame. Ah, docteur Constantin, avant que j'oublie, vous avez eu un appel de votre gardienne. Merci. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourriez-vous vous en occuper? Je suis un peu en retard dans les consultations. Elle tient absolument à vous parler à vous, docteur Constantin. Voilà, madame. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je c'est ridicule. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, docteur Constantin. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? C'est au tour de madame Turcotte. Madame Turcotte? Docteur Constantin est avec vous tout de suite. Ah, madame Turcotte, bonjour. Vous pouvez entrer ici. Allez, ne vous gênez pas. Bonjour, mon chien. Oh! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai brisé la statue. Oh, merde, c'est pas vrai. J'ai pas fait exprès. Je peux en acheter un autre. Je pense pas. Ça a peut-être quelque chose comme 2000 ans. Oh, shit! On peut continuer encore 2 semaines. Hein? Parfois, c'est un peu plus long avant de faire effet. Est-ce qu'il les tolérait bien? Oui, oui, pas de problème. Oh. Mais il a un peu assez de prendre des pilules aussi. Ah, c'est quand même mieux que de se gratter sans s'arrêt. Hein? Quand son poil va avoir poussé, il va avoir l'air d'un nouveau chien. Ah, OK. Grazie, docteur Adi. Hasta luego. Tráigamelo cuando la medicina esté terminada. C'est pas sérieux. Vous avez été marié combien de fois, vous, coudons? C'est quoi, là, hein? Votre beau-frère, votre cousin, votre voisin. Non, je suis désolé, monsieur, mais le docteur Diaz ne règle plus ses problèmes personnels ici. Alors, je vous prie de sortir. Allez. Docteur Constantin! Non! Alors, monsieur, sortez, s'il vous plaît. Allez! Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quelles sont vos habitudes dans votre pays, mais ici, une clinique vétérinaire, c'est un endroit pour travailler. Pas pour régler ses problèmes personnels. Et moi, je sais pas quelles sont les habitudes de votre pays, OK? Mais dans mon pays, au Nicaragua, on jette pas les clients dehors. Pas d'animal. Hey, c'est pas des farces, il y a même des agences de rencontres là-dessus. Marie, si t'as pas l'intention de rencontrer quelqu'un sur Internet... Mais quoi? C'est pas plus pire que d'aller dans un bar puis cruiser. Ça coûte moins cher. Mais voyons donc, ça doit être juste des tordus qui sont là-dessus. Ben, je te remercie. Il y a plein de monde intéressant.
Regarde. OK. Quel type d'homme tu voudrais? On peut faire une demande. Ben oui, on va aller faire une demande sur le babillard, là. Attends. Non? OK. Alors, on le veut comment? Grand? Avec des épaules larges de main. Oh, tout le portrait de Louis. Arrête donc. J'en ai un gars, moi. J'en ai pas besoin d'un autre. Je fais juste m'amuser. Alors, grand, sportif, bien bâti, puis pas un jeune flou, là. On veut de la maturité. Ah, ouais. Mi-trentaine? Oui. C'est bon, ça. Les cheveux foncés, mais les yeux pâles. OK. Bleu ou vert. Attends, on va mettre père. Qui change de couleur quand il a envie de toi. Tu vas pas écrire ça. Mais non. Père. Avec des lunettes. Avec des lunettes? Oui, ça donne un beau regard doux de myope. Comme ça, quand ils les enlèvent, ils voient pas tes défauts, tu sais. C'est bon, ça, myope avec des lunettes. OK. Hein? Bon, là, faudrait trouver un emploi, par exemple. Oui, dans le milieu créatif, de préférence. Oh, c'est bon. Attends, aimant le cinéma, la bonne chair et le vin. Oui, la bonne chair, j'en ai en masse. Arrête donc. Bon, hein? En oublies-tu quelque chose, là? Non, c'est beau. Vas-y. OK. Ouais, mais malheureusement, ça n'existe pas un gars comme ça. Arrête ça, tu payes sur Enter, puis il apparaît. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'Antoine est ici? Qui? Antoine. Antoine Bélanger? Il habite bien ici? Ah, oh, oui, mais il n'est pas ici, il est à l'université. Bon, pouvez-vous dire que Pierre est passé, s'il vous plaît? Pierre, oui. Merci. Bonjour. Ouais, je pense qu'on a oublié quelque chose d'important. Mais, hein? Hétérosexuel! Il manque un morceau, là. Oh, Julien va me tuer. Dans le salon. Ouais, peut-être. Il y a les chounettes. C'est là. Allô? Je suis ici, dans la cuisine. Allô? Oh, wow! Hey, t'as pas chômé? C'est plus propre que quand c'était moi qui faisais le ménage. Ben, si t'avais appelé ce matin avant de venir, ça aurait été comme ça. Oh! Oups! Oh, j'ai une piste quelque chose. Oh, j'espère que c'est pas important. Là, c'est brisé en petits morceaux. Tu t'en vas? J'ai fini ma journée, docteur Constantin. Arrête de me vouvoyer. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu m'as fait la gueule tout l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Rien, vous avez fait comme d'habitude. Vous avez fait passer vos intérêts personnels avant tout le reste. Arrête de me vouvoyer, ça m'énerve. Explique-toi, là. Je pense pas que ça soit ni la place ni le bon moment pour expliquer quoi que ce soit, docteur Constantin. Joanne, arrête ça! J'aime pas ça quand tu fais ça. Puis moi, j'aime pas ça quand tu fais passer ta petite personne avant ta famille. Oh là, tu m'en veux parce que j'ai pas été porter les couches chez ta mère. C'est pas sérieux, ça. Non, je t'en veux parce que ma mère te dérange. Je t'en veux parce que je te demande de t'occuper des petits une journée sur deux et ça devient une corvée stressante. Je t'en veux parce que t'avais enfin la chance de passer un petit peu plus de temps avec nous grâce à l'offre du docteur Raymond et t'as refusé juste parce que t'aurais pas pu diriger ta clinique comme toi, tu l'entends. Tu penses toujours rien qu'à toi. Ben voyons, Joanne, pourquoi tu dis ça? Vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Vous êtes toute ma vie. Comment tu peux dire que je préfère une clinique à ma famille? C'est à cause de ce que j'ai dit ce matin, là. Je m'excuse, je vais être fatigué, je travaille trop. C'est normal que mon jugement soit parfois un petit peu faussé. Je pensais que tu accepterais l'offre du docteur Raymond pour pouvoir te reposer, justement. Ben oui, mais on l'a tous refusé. Je suis pas tout seul à avoir pris la décision. T'aurais pu les faire changer d'avis si tu voulais. Joanne, c'est ridicule. Non, non, je veux pas dire que c'est ridicule. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, je m'excuse pour ce que j'ai dit au sujet de ta mère, OK? Je vais aller la voir, ta maman. Je vais la supplier jusqu'à ce qu'elle revienne garder à la maison, si tu veux. Oui. Je vais prendre des vacances. On va prendre des vacances? On va aller dans le sud. On peut même amener ta mère, si tu veux. Non, non, Pascal, t'en fais toujours trop. Ben... Tout ce que je te demande, là, c'est d'être un petit peu plus à l'écoute des gens qui t'entourent puis un petit peu moins égocentrique. Je suis pas égocentrique. Pascal. Bon, là, j'y vais, ma mère m'attend. Non, 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 attends, écoute, on peut pas se laisser comme ça, là, on a rien réglé. Là. Moi, j'ai fini, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est à toi d'agir maintenant. Non, non, attends, écoute, je vais t'accompagner, là, on va aller chercher les enfants ensemble, là, puis on va continuer à parler, ouais, en cours de route, OK? Non, je peux pas, là. Je suis de garde ce soir. Mais je rentrerai pas tard.
Oh, Joanne, attends! Docteur Constantin. Quoi? Votre amputation vient de se réveiller, puis on dirait qu'il y a de la misère à respirer. Mon âme. Qu'est-ce. Oh, mon âme! Tiens! C'est ça qui me manquait le plus, ta cuisine. Tu t'ennuies pas de moi? Oh, ben oui, je me suis ennuyée de toi, tu sais, ben. C'était tellement le fun quand j'arrivais que mon linge était lavé, plié, repassé. Ah, bon. Puis toi, tu t'ennuies un peu? Oh, oui, je m'ennuie. Puis je m'inquiète. Oh, tu vas pas recommencer avec ça, là? Mais oui, mets-toi à ma place. J'ai peur. On dirait que t'as recommencé à déraper. T'as pas à t'en faire. C'est un dérapage contrôlé, je m'amuse un peu, c'est tout. Scott a peut-être l'air un peu bizarre, mais il est très gentil. Bizarre, c'est un euphémisme. Les cheveux verts, franchement. Oh, c'est temporaire. C'est pour se donner un look pour un concours. Quel concours? Ça doit pas être le concours d'admission à l'Université Sartre. Il est déjà à l'université, en musique. Il est venu ici tourner un démo avec son groupe et il participe à un concours. Il y a du monde qui vient de partout. Il en vient même de Mars, d'après ce que je peux voir. Arrête donc! En ton temps, là, il y en a qui se teignaient en rose ou en blanc, ou qui s'habillaient en romain. C'était pas mieux. Oui, moi, ils n'étaient pas couchés chez nous. Julien, ça fait 5 ans que je suis plus vierge, hein? Je suis pas une épaisse, je sais ce que je fais, là. Oui, mais il y a l'air d'un héroïnomane, là. Dieu sait quelle cochonnerie il peut te passer, là. C'est quoi, là? Parce que tu t'occupes de deux morveux, t'as l'impression que j'ai besoin de surveillance, moi aussi? Concentre-toi sur ta job de beau-père, là, puis arrête de stresser sur moi. T'as pas à t'en faire. OK. Toi, comment ça va? On va bien. Qu'est-ce que t'as? J'attends la suite, pour savoir. Savoir quoi? Ben, je sais pas, comme la vraie raison pourquoi t'es venu manger avec moi. J'ai quand même le droit de manger avec ma fille sans avoir obligatoirement une raison spéciale. Ouais. Je m'ennuie de toi, c'est pas assez comme raison? De moi et du calme de ton appartement, peut-être. Ouais. C'est vrai que ça bouge plus qu'ici. Mm-hmm. Mais c'est pas si pire. Les enfants sont très bien élevés. Puis Louise fait tout pour pas qu'ils me dérangent. Ça doit pas être beau, ça. J'imagine Louise qui retient ses petits pour pas qu'ils broient, pas qu'ils courent dans la maison, pour pas qu'ils fassent quoi que ce soit qui risque de te déranger. Elle doit être fatiguée quand elle se couche le soir, hein? C'est pas du tout ce que tu penses. On s'adapte les uns aux autres. Mm-hmm. Tranquillement. Je suis sûre que t'es en train de te faire des ulcères. Gabrielle, la vie de couple, là, c'est de vivre avec quelqu'un qui compte beaucoup pour toi puis pour qui tu comptes beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, faut jamais oublier ça. Julien, je connais personne de plus pourri que toi en ce qui concerne les relations de couple. Mange donc, un autre boucher. Ouais. Non, mais c'est vrai, quand est-ce que tu vas te décider? À quoi? À t'attaquer sérieusement ton célibat. Oh. As-tu besoin d'aide? Moi, je vais te trouver quelqu'un. Non, je te remercie, mais je te fais pas confiance. Ouais, je te rappellerai que c'est grâce à moi que tu as rencontré Philippe. Mais oui, mais il est où, Philippe? Et puis là, Philippe, il est parti, il a trouvé ailleurs. Tu l'as laissé partir. C'est vrai, t'as pas travaillé fort pour l'obtenir. Qu'est-ce que t'en sais? Il demandait juste ça, si t'avais voulu. Hey, c'est pas à travers ton chapeau. Je sais quand un gars me veut ou non, puis lui, il me voulait plus. C'est pas grave. On va t'en trouver un autre. Mieux. Ouais. Mais de préférence, qu'aime pas voyager. Ouais, puis qu'aime les enfants. Ouais, mais qu'on n'a pas déjà 3. Puis qu'aime la discussion. Excusez-moi. Bon, eh bien, ce sera pas long. Je vous ai demandé de venir dans le bureau pour vous remettre officiellement ma démission. Non, un instant, docteur Diaz. Je vais bien sûr vous donner les 2 semaines réglementaires. Oui. J'ai commis une erreur face à un de vos clients. Je m'en excuse. Hein? Bon, on est entre gens civilisés. Je suis sûr qu'on peut certainement s'entendre. Écoute, Raphaël, là, tout le monde est un petit peu énervé de ce temps-ci. Là. C'est peut-être pas le moment pour prendre une décision aussi importante. Mais c'est pas une décision improvisée, tu devrais le savoir. J'attendais une offre d'emploi intéressante. J'en ai reçu une aujourd'hui. Raphaël, j'ai un caractère un peu vif parfois, j'en conviens, mais c'est jamais méchant. Hein? Mais c'est pas plus dirigé contre vous que contre n'importe qui d'autre, contrairement à ce que vous croyez. Faudra pas que vous tombiez dans la paranoïa. Je suis ni paranoïaque ni masochiste. On peut pas travailler ensemble aussi bien se rendre à l'évidence. Je m'en vais et c'est pour de bon. Tu t'en vas où? Comme ce n'est pas encore officiel, j'aime autant ne rien dire pour l'instant. Bon, ben, je suppose qu'on peut rien faire pour vous faire changer d'idée, hein? Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance.
De toute façon, vous allez rester encore deux semaines pour... hein? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je respecte toujours mes engagements. Bon, ben, excusez-moi, là, moi, j'ai du travail à faire. Hein? Regarde. Il fait semblant d'être triste, mais dans le fond, il est fou de joie. Peut-être. Mais moi, je fais pas semblant. Quoi qu'il arrive, Louis, je veux que tu saches que j'ai vraiment apprécié de travailler avec toi. Merci. J'ai deux nouveaux étudiants à la maîtrise. Vrai, je te présente. Des gars très intéressants. Ça doit être nerd rare, ça. Gabriel, t'as bien une drôle d'idée des archéologues. Est-ce que tu me trouves nerd? Ben... Ouais, ça te ferait du bien de rencontrer d'autres styles de gens. Des gens qui ont des choses à dire. Ben... T'es donc bien plein de préjugés. C'est toi qui devrais sortir un peu. Ça t'ouvrirait les yeux. Tiens, tu devrais venir avec moi à soir. Voyons, non. Oui! Tu devrais venir sur le plateau de tournage. Tu vas voir que Scott a beaucoup de talent puis je travaille avec du monde bien intéressant. Oh, c'est pas ma plage, pas d'affaires, là. Ah oui, donc. C'est plein de monde sur le plateau de tournage qui n'ont pas d'affaires, là. Ouais. Il est vrai que je sors pas beaucoup, mais... OK, ça marche. All right, on va avoir du fun. Ah! OK, bon, ben, bon petit café. Oui. Hey! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, merde. Julien, c'est un accident. On a essayé de la réparer, mais il manquait un petit morceau, puis c'est là-dessus que t'as pilé en arrivant. Tu sais, je l'avais laissé ici pour pas que les enfants de Louise la cassent. Mais je suis vraiment désolée. Ça devait valoir cher, hein? C'était-tu bien vieux? C'est vieux, certain. Ça date au moins de l'époque du Made in Mexico. Mais, c'est un joke? C'est pas une antiquité. J'ai acheté ça dans une boutique de souvenirs au Mexique. All right! Ouais! T'es pas gêné. J'y tenais beaucoup. Hey, t'as fait du beau travail. C'est très bien reconstitué. Ah, hein, tu feras une bonne archéologue, t'es minutieuse. Tu diras ça à Scott, c'est lui qui l'a arrangé. Ah ouais? Écoute, t'as pas un petit dessert à préparer, toi? Ouais, ouais. Je l'ai fait. J'ai même préparé ta demande spéciale. Ah oui, c'est quoi? Jello à la lime! Là? Devine. T'aurais pu attendre que je sois sortie, non? Isabelle, il y a des choses qui peuvent pas attendre. Franchement, là, tu trouves pas que t'exagères un peu? Est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse des horaires d'utilisation de la salle de bain? C'est complètement ridicule. Non, c'est pas ridicule. J'étais bien au chaud dans mon bain. Tu viens me déranger? Désolé de vous faire redescendre parmi le commun des mortels, chère madame, mais si vous ne voulez pas que votre quiétude soit troublée par une odeur pire que l'ammoniaque, vous êtes mieux de vous remuer le popotin et de sortir du bain, car j'ai d'autres besoins primaires à soulager. Je te dis, toi... Merci beaucoup, mes besoins primaires sont soulagés. Quoi? J'avais juste envie de te voir tenue. Louis Martineau. Quoi? T'es non, juste Isabelle. Un vieux... Non, Isabelle, Isabelle, Isabelle! 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 Ah, non, non! Ah! Oui, 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 je vais passer à la maison avant l'université. OK, OK, Louise. OK, bye. Bien, t'as couché au salon? Je pensais que tu dormirais en bas avec Scott. Tu as déjà fini? Mais non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est dû, c'est vrai, t'avais raison. Il y a beaucoup de talent. À quelle heure t'es rentrée, toi? Oh, pas longtemps après toi. Oui, as-tu bien dormi? Oh oui, elle est comme un bébé. Fait du bien de retrouver son lit. J'ai encore habitué de dormir avec quelqu'un tous les soirs, moi. Julien, t'es un vieux garçon irrécupérable. Tu t'habitueras jamais. Pouf, je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Je suis capable de dormir dans un hamac dans la jungle. Je vais bien être capable de dormir à côté de Louise. Ouais, c'est vrai que c'est mieux qu'une tarentule. Bon, je te fais à manger. Oh! Je t'ai gardé à coucher, je vais te nourrir. Bouge pas. Ah! Ben, c'est génial. Je vais venir plus souvent. Prends pas l'habitude quand même, là, puis appelle avant de venir. Non, non, je suis pas bouché, là, j'ai compris. En tout cas, je savais pas qu'il y avait quelqu'un dans ta vie. Là, je le sais. Il est pas dans ma vie pour de bon.
Il retourne dans 2 semaines à Ottawa avec ses Invaders. The Invaders. Ça, c'est un bon nom. Mm. Oh! T'as l'air d'avoir faim. Ah. Breakfast! Morning, sir. Morning, sir. Couche ici? Bravo. Hey, Scott! Hey! 2 œufs tournés pour Juliette. Over easy, coming up. All right. Open the garage. Je trouve ça plate, là, mais je te comprends. C'est pas seulement à cause de Constantin, tu sais. On m'a fait une offre vraiment intéressante. Et je vais travailler toujours au même endroit. Oh, tu démissionnes aussi, tu n'as rien d'autre? Eh oui! Oh, j'ai les vacances payées et les fins de semaine de garde sont très intéressantes. Hein? Je peux en faire autant que je veux. Oh! T'as jamais pensé, toi, à te trouver autre chose? Hein? Je suis sûre qu'ils auraient besoin d'une bonne technicienne comme toi, là où je vais. Oh non, c'est chez nous, ici. Il y a Jean-René, ça compense. Hmm? Mm. Oh. Puis dans le fond, là, c'est moi qui mène. Je fais pas mal à ma tête. Et si j'étais pas là, hein, je serais pas capable de fonctionner. Je peux pas leur faire ça. T'as raison. Hein? Mais si tu veux, je vais quand même me renseigner sur ce qu'ils donnent aux techniciennes. Hein? On sait jamais. J'aimerais bien travailler avec toi. Tu vas me manquer. Ben oui, mais on est des amis. On va continuer à se voir. Hum? Hey, dans quel coin tu vas travailler? Pas très loin. Ben tu vois, on va pouvoir aller dîner ensemble une fois de temps en temps. Sûrement, oui. Ça nous fait des matins pas mal moins stressants, tu trouves pas? Pas mal, oui. Puis je suis très content que tu aies réussi à convaincre ta mère de revenir garder la maison. Ouais, puisque tu veux pas nous simplifier la vie, il faut bien que je m'arrange pour le faire. Joanne, on s'est déjà expliqué là-dessus. Je sais, je te taquine. Ouais. C'est vrai que ça donnerait pas grand-chose que tu aies plus de fin de semaine de congé si c'est pour les passer à grenier parce que tu n'es pas content de la façon dont tes semaines se déroulent. Ouais, je vais m'arranger avec ça. Mm. Le prochain vétérinaire que je vais engager, je vais lui faire beaucoup plus d'heures qu'au docteur Diaz. Oh, toi, je t'aime. Je t'aime, toi. Toi. Mon Dieu, je t'aime. C'est pas vrai! Quand même, c'est pas si pire que ça. C'est écœurant. Voyons. Vous êtes passé par où un matin, vous? Vous avez rien vu? Vu? Vu quoi? Ça! Oh, ben l'enfant de chien! Oh, Pascal! Oh. Oh, tu parles d'un ami! Il va m'entendre, lui, s'ouvrir un bureau juste en face! C'était ça son plan B. On s'associe pas, il s'ouvre en face! Mais c'est écœurant! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau compétiteur dans notre cours. Comment ça? Le groupe du docteur Étienne Raymond s'ouvre un bureau en face. Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Légalement, oui, mais au niveau de l'éthique professionnelle, je te dis que c'est pas fort fort. Non, mais on a-tu bien fait de pas s'associer à une gang de pourris comme ça? Tu vois? Tu vois le genre de monde? Mais pensez-vous que ça peut nous causer beaucoup de problèmes, ça? Bien, ça, ça va dépendre des vétérinaires qui vont engager. Raphaëlla, c'est pas vrai? Ben quoi, Raphaëlla, c'est pas vrai? Oh non. Non, vous allez quand même pas nous faire ça, vous. J'avais pas réalisé qu'il s'ouvrirait si près. Ah, oh, vous aviez pas réalisé? Mm. Ben, vous allez sortir immédiatement dehors! Vous savez, docteur... Et puis, je vous laisserai pas prendre des dossiers pour que vous alliez les revendre au docteur Raymond, allez! Je ferai jamais ça! Oh, ça, c'est vous qui le dites, dehors!